Salut à tous, bienvenue sur cette vidéocassette de la classe de mer de l'école Saint-Jean-Baptiste de Sautron. On commence tout de suite par un premier reportage sur le centre Lagarenne, présenté par Morgane. Derrière moi, le centre de Lagarenne qui nous reçoit en classe de mer domine sur son rocher la baie de Bourgneuf. Nous sommes à la Bernerie en Ray. Mais quelle est donc l'histoire de ce centre et qui est donc ce fameux Roland qui nous accueille? Pour savoir, j'ai posé les bonnes questions au principal intéressé. Reportage. Merci d'avoir posé la question. Oui, la maison Lagarenne, dame, ça fait longtemps. Tu sais, Lagarenne, ça a été l'une des premières maisons de la côte. Elle date déjà de la fin des années 1800. Oui, 1800, t'étais pas né, hein, et ton papa et ta maman non plus, ton grand-père peut-être pas non plus. Mais c'était une très vieille maison. Et c'était une maison bourgeoise qui, bien située comme elle était, évidemment, a été transformée un petit peu pour devenir, pendant un certain temps, un restaurant. C'était le restaurant Lagarenne. Et bon, les propriétaires ont vieilli et non, les enfants n'ont pas continué. Alors la maison a été arrêtée, fonctionnait plus, et la visitant, j'ai trouvé que bien était jolie, comme elle était à vendre. Eh bien, je me suis dit, je vais pouvoir créer dans cette maison quelque chose qui va faire plaisir à la fois aux enfants, aux parents, aux familles, et c'est donc avec une association nouvelle qu'on a appelée l'association Vie et Créativité, qu'on a créé à la fois des classes de mer où tu es maintenant, tu vois, et puis séjour de maison familiale pour les parents l'été pendant les vacances. Voilà pour ce qui est de la maison. Tu vois que c'est une très belle maison et qui s'est bien agrandie. Au début, il y avait combien, quand je suis arrivé, peut-être 7-8 lits. Maintenant, il y en a plus de 80, presque 100. C'est une maison qui a bien grandi. Et bien, ça fait très longtemps, évidemment, que je faisais ça, hein, puisque j'avais commencé les classes de mer en 74. Tu vois, donc ça fait, tu peux calculer, en 74, et on est en 98. Ça fait un bout de temps. Nous poursuivons notre journal avec le canoë. Reportage Clémentine Daubry. Excusez-moi. Bon ben, comme le veut la tradition, on commence toujours par le canoë. Sans doute parce que c'est plus facile que le kayak. Enfin, je crois. Activité assez cool, comme moi d'ailleurs. Mais je vous rassure, avec le canoë, on ne coule jamais. Enfin, presque jamais. Je plaisante. Reportage. Comment elle est faite? Regardez-la bien. Elle a deux parties noires. C'est l'endroit où on met les mains. Autrement, si vous pagayez de l'autre, vous risquez de la dépointer. C'est-à-dire qu'il faut savoir que chaque fois que vous faites un mouvement de ce côté-là, c'est-à-dire... Thank you.
Avec Priscilla et Aurélia, découvrons la pêche à pied à marée basse dans la baie de Bourgneuf. Ah, il n'y a pas à dire, je suis fière de mon aquarium. De notre aquarium, tu veux dire? Ouais, si tu veux. Et je veux mon neveu. T'es vraiment un neuneu, toi. Dis, tu sais c'est quoi ça? Ça, j'en suis sûre, c'est une folasse. N'importe quoi, c'est une folade. Et ça, j'en suis sûre, c'est une crevette grise. Et toc! Quand je vois cet aquarium, je me rappelle les souvenirs de la pêche à pied. Sous le sable et l'eau, hop, elle remonte par là. Ça fait des bulles, c'est pour ça qu'on appelle. Ah ouais, on va le remettre après.
On a laissé quelques algues sur le niveau que vous avez ramené, d'accord? Les algues, on ne l'a pas nettoyé l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, des animaux microscopiques, comme des microbes, si vous voulez, enfin, c'est pas... Merci Franck. Les bactéries, ce sont des petits animaux qui permettent de décomposer certaines matières qui n'est pas retenue. Il n'y a pas trop d'animaux et il n'y a pas trop de déchets non plus. Et les crevettes? Ça a été lourd, hein? Alors là, c'est moi là-bas, quand on voit tout ça. Comment on va mélanger? Alors, vous avez... Voilà. Allez! Tiens, passez ça. Il est venu? Ils sont collés les uns sur les autres. Il y a un petit crabe, oui. Alors, regardez le petit là qui est là. Le petit est venu. C'est un mâle. Il va tomber, hein. Oui, la folade. Ramène-moi là. Et maintenant, nous prenons la direction de Pornic. Reportage, Pierre. C'est par le sentier des douaniers, 14 km aller-retour, que nous avons rejoint Pornic. Une fois arrivé, pique-nique au jardin public de Pornic. Histoire et géographie au programme avec Roland. Reportage. Enfants, vous regardez ici, vous êtes en présence d'un dolmen, un site funéraire de la période néolithique, environ 2500 ans avant Jésus-Christ. En ce temps-là, les hommes étaient capables de cultiver la terre, de pêcher, mais surtout, ils honoraient leur mort par cette pierre dolmen. Ouverture vers l'est, là où se lève le soleil, symbole de vie. Fermeture vers l'ouest, symbole de mort. Le dolmen néolithique. Retenez cela, les enfants. Le groupe, qu'on leur montre ce que c'est de bon marcheur. Ouais, je sais pas toi, mais cet endroit m'attire.
N'importe quoi, ce tas de pierres, c'est nul. Allez, viens. Ce tas de pierres, comme tu dis, c'est un tumulus, un site funéraire du mégalithique. Alors, un peu de respect. Ouais, merci, moi aussi j'ai écouté Jean-Claude. Mais sais-tu qu'il y a encore des choses intéressantes à voir à l'intérieur? On n'a pas le droit, Jean-Claude nous l'a interdit. T'es vraiment une poule mouillée. Fais-moi confiance, suis-moi. Bon, les enfants, vous savez que vous êtes dans le pays de Ray, hein? La bernerie en Ray, les moutiers en Ray, dans le pays de Ray. Et dans le pays de Ray, il y a eu un personnage qui a marqué le pays. Il s'appelait Gilles, Gilles de Ray. Et Gilles de Ray, voyez-vous, il est né en 1404. 1404, c'était pendant la guerre de Cent Ans. Il y avait aussi un autre personnage que vous connaissez bien qui vivait dans cette date-là. Il s'appelait comment? Jeanne d'Arc. Vous avez entendu parler de Jeanne d'Arc. Alors, on en reparlera tout de suite, là. Et Gilles de Ray était un personnage tout à fait spécial. C'était un grand seigneur. Et quand il est né, il avait... un père qui s'appelait Guy de Laval, une mère Marie de Cran, et vers 11 ans, en 1415, sa mère est décédée, son père aussi. Il est devenu orphelin, de sorte qu'il a été élevé par son grand-père. Et son grand-père l'a formé essentiellement au métier des armes, et il est devenu un grand guerrier. Il a gagné, il a pris Penthièvre, étant tout jeune, il avait à peine 16 ans. Et puis même, on lui a confié de prendre le château du Lude. Et là, il était encore très jeune, de sorte qu'il a eu tout de suite une très grande renommée. Et il a monté dans l'échelle, il est devenu maréchal de France. Et quand Jeanne d'Arc a voulu chasser les Anglais de France, il a demandé une armée au futur roi Charles VII, eh bien, ils ont choisi un premier lieutenant pour être avec Jeanne d'Arc, et le premier lieutenant de Jeanne d'Arc, ça a été Gilles de Ray. Malheureusement, Gilles de Ray avec très graves défauts. Il aimait le sang. Il était... il pratiquait la pédophilie. J'ai entendu parler de ça un petit peu. Il était très... très violent quand il fallait, quand il voulait. Et il a été même jusqu'à tuer des enfants. Il a fait de la magie noire. Il a fait un pacte avec le diable. Mais... tout à l'heure, je vous ai fait un portrait extrêmement glorieux de Gilles de Ray, hein, l'un des seigneurs les plus puissants de France, le plus gradé de France, et de l'autre côté, un autre Gilles de Ray, qui avait des raisons d'ailleurs pour ça, mais qui était rendu dans une très grande déchéance, puisqu'on dit qu'il a tué jusqu'à 200 enfants. Il a fini par être jugé à Nantes, et... il a été condamné à avoir la tête tranchée et à mourir. Mais avant de mourir, il a demandé qu'une grande procession se fasse à Nantes. Et il demandait pardon à tout le monde de ses péchés et de tout le reste. Il est mort encore comme un grand seigneur, les deux.
sur la terrasse ou dans le restaurant, c'est toujours un moment agréable. Reportage sur le repas à Nord. Pour le repas, un élève est chargé par table d'apporter les plats. Pour cela, il est équipé d'une coquille Saint-Jacques. Jean-Pierre, dans sa nouvelle cuisine tout équipée, nous prépare de bons petits plats. Je vous invite à déguster ce reportage à croquer. Et maintenant, reportage sur l'ornithologie, présenté par Marie. Aujourd'hui, avec Monsieur Seguin, sans sa chèvre mais avec ses oiseaux, nous parle d'ornithologie, l'étude des oiseaux. Nous observons des échassiers tels que le bec à saut variable et le courlis cendré avec son long bec courbé. Alors nous voilà rendus sur le site où on va faire, essayer de faire des observations, car vous savez, les oiseaux ne sont pas forcément à notre disposition. S'ils sont là, tant mieux. S'ils ne sont pas là, ben, ma foi, nous nous en passerons. Alors qu'est-ce qu'on va rencontrer comme oiseaux ? Ben, on va rencontrer des oiseaux qui vivent plutôt sur les vasières, les limicoles, les échassiers, bien sûr. Peut-être quelques canards, mais essentiellement, ça va être du limicole. Particulièrement, vous allez trouver du courlis cendré,
On va également rencontrer des bécassos maubèches. Et puis, certainement, on aura quelques chances de voir des huîtriers pies. Alors, ici, nous sommes sur la baie de Bourgneuf. La baie de Bourgneuf est une grande baie qui est une grande vasière qui se découvre à marée basse et qui permet aux oiseaux de pouvoir se nourrir et également de se reposer. Au moment des pleins mers, quand la marée revient sur la côte, que la marée est haute, les oiseaux ont des repos tout le long de la côte et puis d'attendre que la marée se retire pour se remettre à descendre sur les vasières et se nourrir à nouveau. À les voir assis dans leur kayak, on dirait de vrais petits canards. Reportage Soisic. Assis avec une double pagaie, seul ou en kayak double, on découvre cette activité nautique avec plaisir. Après les derniers conseils de Roland, nous passons à la pratique sur le plan d'eau de la Bernerie. Reportage. Thank you.
Dans classe de mer, il y a le mot classe, pour ne pas oublier qu'on n'est pas en vacances. Reportage Florence. Eh oui, c'est moi la classe, qui vous présente la classe sans manger de glace. Ok, je m'efface. Bon, parlons plus sérieusement. Ne confondez pas, chers parents, la classe avec des vacances. La preuve dans ce reportage réalisé par Jean-Claude, notre vidéaste. Thank you.
Une superbe chapelle nous attend à Prigny. Reportage sur cette sortie, Marina. Avec cette sortie en vélo, pour rejoindre Prigny, nous découvrons une superbe chapelle qui nous invite à découvrir l'histoire de cette région. Roland, inspiré par Émile Boutin, le grand historien du pays de Ray, nous compte les grands épisodes. Reportage. Quand on est à Prigny, on a différentes choses à retenir de Prigny. D'abord, il y a le château de Prigny, vous vous rappelez, avec Catherine, et l'histoire du chevalier qui la courtisait, qui s'appelait, comment, qui s'appelait Perrault le Bernier. Et vous avez aussi les relais pour Saint-Jacques de Compostelle. Et vous avez cette chapelle de Prigny, où il y a tout un tas de souvenirs, avec Saint-Guénolé, avec Saint-Germain, avec une encre marine, et tous ceux qui se sont succédés à Prigny. C'est un évêque qui était évêque d'Auxerre. Vous connaissez, vous avez entendu parler d'Auxerre ? Avez-vous entendu parler d'Auxerre ? Avec quoi ? Ben oui, il y a une équipe de foot là-bas avec Giroud. Hein ? Eh bien, avant, il y avait, c'était pas Giroud, hein, c'était Saint-Germain qui était évêque d'Auxerre. Et Saint-Germain était à la fois évêque, il était diplomate et il était chef de guerre, c'était un capitaine. De sorte que lorsque les Bretons ont eu des problèmes, ils ont fait appel à Saint-Germain. Et Saint-Germain, qui avait donc énormément de possibilités, les a... C'est pour ça que vous avez énormément de paroisses qui s'appellent Saint-Germain en Bretagne, en souvenir de Saint-Germain. Eh bien, viens voir, Mélissa, c'est la statue de Saint-Guénolé. C'est bien, Valérian, je vois que tu sais lire. Dis, t'as rien de marqué de bizarre sur la statue ? Non, pourquoi ? Elle bouge peut-être ? Non seulement je sais lire, mais moi j'ai des yeux pour voir. Regarde ces aiguilles. Et alors, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? La couture, ça m'intéresse pas. Eh ben, si un jour tu ne trouves pas de mari, tu viens planter une aiguille et dans l'année, tu trouves un beau mec comme moi. Pfff, imbécile, si tu crois que j'ai besoin de ça pour trouver un mari, tu te trompes. Et de toute façon, je suis amoureuse de Leonardo DiCaprio. Ah, fais-moi rire. Leonardo le Tortue Ninja ? Pourquoi pas Michael De Angelo ? Mais non, Leonardo du Titanic, t'es vraiment nul. Touché et coulé. Hé, les deux amoureux, c'est quand vous voulez, on va partir.
Au centre La Garenne, les veillées ne sont pas tristes. La preuve dans ce reportage présenté par Jean-Pierre. Ce soir, pour la veillée, on commence par la fameuse garuge suivie de la chaise musicale et du roi de la jungle. Pour finir, jeu plus calme en passant par les chants. Reportage. Bien, ce soir c'est la veillée, la bonne veillée, celle qui va bouger. On va commencer avec la garuche, ils sont en forme ce soir. Est-ce que vous êtes prêts pour la garuche? Oui. Vous êtes en forme ce soir? Oui. Vous êtes prêts pour la garuche? Oui. C'est parti avec la garuche. Oui. Capitaine, toi ma tour,
voudrais que cela finisse. Oui, papa. Je n'achèterai plus Mercurochrome. Je suis le roi, le roi du spadabra. Je ne reste jamais plus de moi, sans me blesser au genou bas. Allez, bonne nuit les petits. Reportage sur le coucher. Nounours, je veux parler bien sûr de Thierry. Oh, excusez-moi. C'est l'heure du coucher. Je bats normal. Pour certains, ça ronfle énormément. Mais avant le vrai dodo, on termine le brossage de dents, on bouquine, on raconte sa petite vie. Allez, je disparais et m'en vais les surprendre avec la caméra invisible. Reportage. Toi, avec cette caméra, non mais dis donc, hein, tu vas la laisser tranquille, elle est fatiguée. Là avec ta caméra, toi, hey, tu vas la laisser tranquille, moi, elle est fatiguée. Allez, allez, du vent, laisse-nous tranquille. Allez, allez, du vent. Un petit cas.
là, comme c'est agréable. Dis donc, toi, hein. Non, mais dis donc, hein, qui t'a permis, hein. Tu vas la laisser tranquille, hein. On est fatigué. Laisse-nous dormir, là. On a une rude journée demain. Toi, là, Non, mais qu'est-ce que c'est que cette caméra, là? Non, mais on peut pas dormir tranquille, maintenant. On retrouve Pornic, mais cette fois-ci à vélo. Reportage, Pierre. Eh oui, nous revoici à Pornic, mais cette fois-ci pour une sortie à vélo. Nous irons jusqu'au nouveau port de pêche de Pornic, la Noé Veillard, où Roland nous parlera de pêche. Reportage. Cette croix s'appelle la croix des Huguenots. C'est une croix qui est penchée. D'habitude, les croix sont droites, là. Alors, pourquoi il y a cette croix de Huguenots? Eh bien, vous savez qu'il y a eu la guerre entre les protestants et les catholiques. Il y a même eu des massacres à la Saint-Barthélemy, par exemple. Hein? Et... ici à Pornic, eh bien, il n'y avait pas beaucoup de protestants. Il n'y en avait que trois. On les appelait les Huguenots. Alors ils se sont convertis. Et en se souvenir, pour se souvenir de cette conversion un peu forcée peut-être des trois Huguenots, eh bien on a mis
cette croix penchée. Maintenant, cette croix représente encore autre chose, parce que pendant les guerres de Vendée, on va vous l'expliquer tout à l'heure, les Vendéens ont été, massacrés et ont été enterrés ici, vivants ou morts d'ailleurs, et plus de 200 sont enterrés là, et la croix représente donc aussi cette, ce caveau des Vendéens. Bien. Je me prends pour le héros, Gilles Doré, le seigneur, le chef. On voit que t'as rien compris, ce type était mauvais, un vrai criminel. D'accord, mais n'oublie pas le compagnon de Jeanne d'Arc, le plus jeune maréchal de France. Moi, désolé, j'oublie pas Barbe Bleue. N'importe quoi, Barbe Bleue et Gilles Doré n'ont rien à voir. Hé, vieux, faut que t'arrêtes tes minicams et fais tes devoirs le mercredi. Kinkinoun, va tirer au piqué ailleurs. Dans quelle langue tu parles? Dans la langue d'un visiteur des couloirs du temps. Mes enfants, vous savez qu'il y a différentes sortes de pêche. Vous en avez fait une déjà. On appelle ça la pêche à pied. Vous vous rappelez? Vous avez fait un aquarium avec ce que vous avez pêché. Et vous avez aussi des... Quand vous êtes passé sur le quai tout à l'heure, vous avez vu des petits bateaux dans lesquels il y avait des filets arrondis, là, qui étaient très, très, très fins. Vous n'avez pas remarqué? J'ai fait remarquer à ceux qui étaient avec moi. C'est pour pêcher la civelle. Très bien, celui qui est avec moi avait bien retenu. Vous voyez, vous avez d'autres qui se paient, on a des casiers, par exemple, qu'on met dans l'eau et avec lesquels on va pêcher des crabes, des langoustes, des homards, ou bien alors de grosses, des grosses crevettes. Ce sont la pêche au casier. Vous avez d'autres filets qu'on met en mer, c'est le filet trémaille. Le filet... Et vous en avez d'autres qui se font, voyez, avec, regardez bien ici mon doigt là, avec des filets qui se mettent sur des bateaux. On appelle ça des chaluts. Et le bateau sur lequel je suis là et qui traîne ces filets s'appelle des chalutiers. Une autre sorte de pêche. Vous avez d'autres? Hey Jean-Claude, tu pourrais pas me passer 5 francs pour acheter une glace, j'ai pas assez. Mais t'es gentil, là, t'es pas avec papa et maman, t'es en classe de mère. Si je donne 5 francs à toi, je donne 5 francs à tout le monde. Non, non, c'est pas possible, question de principe. Et Jean-Claude, c'est quoi le bateau, là, qui est là-bas? Bah, ça, c'est un bateau de plaisance, ou un yacht, si tu préfères. Et ça s'écrit comment, un yacht? Bon, dis-moi, tu veux toujours une glace? Ça me ferait un plaisir de te l'offrir. Bah, puisque tu me le proposes si gentiment, c'est sans refus. Allez, viens! Après l'île des moines de Noirmoutier, voici l'île des mômes, reportage Karine. Noirmoutier, île atlantique aux portes du soleil. L'île des moines de Saint-Philbert que nous rejoignons par le passage du Gois. Celui-ci nous permet de rejoindre cette île à marée basse. Des marais salins au château en passant par l'église Saint-Philbert. Nous visitons avec grand plaisir cette île. Non, on est à l'île de Noirmoutier. Avant, il n'y avait que le bois de possible, c'est-à-dire un passage qui est sous la mer quand c'est la marée haute et qui ne se découvre qu'à marée basse. Et quand vous êtes pris sur ce passage
par la mer, eh bien, vous avez des possibilités. Par exemple, vous voyez le piquet que vous apercevez, eh bien, ça, c'est un perroquet. Par contre, plus loin, vous avez des endroits où on peut monter, et ce sont les refuges. Regardez bien ce bois. Vous voyez qu'il a presque 4 km de long. Vous voyez, entre 3 et 4 km. C'est donc un passage très long. Voilà, nous arrivons sur le bois. Une demi-heure, on ne pourrait plus passer là. Hein? Regardez, vous êtes devant un marais salant de Noirmoutier. L'eau qui est là, eh bien, vient de la mer. Elle est venue par des canaux, ensuite par des étiers, et elle a circulé dans tout ce marais, et par un système d'évaporation et un système de cristallisation, elle est devenue du sel. Alors pourquoi ce général Delbé là? Eh bien parce que sur cette place là, il y a eu des Vendéens, des généraux Vendéens qui ont été mis à mort pendant les guerres de Vendée. Alors on va reprendre ça tout de suite. Vous avez entendu déjà parler d'un des guerres de Vendée. Et il y a le Puy du Fou, oui. Et vous avez 3000 Vendéens qui sont venus ici à Noirmoutier avec Charette qui était le général en chef des Vendéens. Thank you.
Amis visiteurs, soyez les bienvenus dans ce lieu très ancien, recueilli sous ses voûtes romanes. Vous voici devant un monument funéraire du XIe siècle qui indique le premier lieu de sépulture de Saint Philbert, le moine et l'apôtre de cette île au 7e siècle. Qu'on est venu prier ici pour un miracle. Mais de quoi tu parles? Mais de Saint Philbert. La population de l'île mourait de faim. Lorsqu'il est venu prier ici, 237 marsouins sont apparus là-devant. C'est quoi des marsouins? Comme des dauphins. Eh bien, moi aussi j'ai quelque chose à te montrer. Viens, suis-moi. Regarde, c'est le phare du bois de la chaise. Tiens, ça me donne une idée. À nous deux, on pourrait devenir les meilleurs guides de l'île. Allons proposer nos services à l'office du tourisme. Chiche, on y va? Avec Franck, on va s'éclater à la boum. Reportage. Comme des fous à la boum, des images super éclatantes et passionnantes, mais incroyables à voir. L'ostréiculture, la culture des huîtres. Avant, je ne connaissais rien. Aujourd'hui, ça va mieux. Reportage Maïlis. Oui, oui. Écoute, maman, c'est pas le moment. Je présente un reportage. J'ai assez de slips et de chaussettes. Allez, je t'embrasse. Excusez-moi, l'ostréiculture est une activité essentielle pour la bernerie. Jean-Pascal, un ostréiculteur très sympa, nous ouvre son parc. Roland en profite pour nous expliquer le pourquoi du comment des choses. Reportage. Thank you.
On me regarde. Là, vous êtes donc dans les parcs de la Vernerie. Il y a une trentaine d'années, là, c'était tout petit, les parcs. Il y avait trois fois rien. Et maintenant, regardez cette immensité, ces hectares de parcs. Alors, qu'est-ce que les ostréiculteurs vont faire dans ces parcs? Eh bien, premièrement, ils vont capter. Ils vont faire du captage. C'est-à-dire, ils vont essayer de prendre les petites larves sur les collecteurs. Ensuite, ces petites larves vont devenir des huîtres. Et les huîtres, quand elles vont avoir grossi, eh bien, ils vont les mettre en sacs et en poches, des poches plastiques qu'ils vont attacher sur les tables. Et ensuite, ils vont aller les travailler dans la zone ostréicole qu'on va aller voir tout à l'heure. À mon avis, c'est ça un collecteur naturel. Alors là, ça m'étonnerait. Je pense plutôt à un collecteur artificiel. Mais non, réfléchis, regarde, c'est un rocher sur lequel se collent des larves. Pour l'artificiel, regarde du côté là-bas des tables. Puisque tu crois si maligne, combien de temps faut-il pour que Nune passe à table? 4 ans, et oui, je sais tout, tout, tout. Ça y est, t'as chopé la grosse tête. Et oui, c'est qu'il y en a là-dedans. Allez, reviens, je plaisantais. Si on laissait le groupe pour jouer à l'ostréiculteur? Ouais, bonne idée, il n'y a personne, profitons-en. Hé, hey, Roland, va chercher des poches d'huile pour qu'on puisse les laver à la laveuse. Oh, j'ai mal au dos, c'est pas un boulot pour moi, ça. N'imite pas Jean-Claude, mais Roland. Ah, j'y suis, mais tu ferais comment, Jean-Claude, à mon âge? Moi, mal au dos, jamais, yoga et relaxation. Hé, hey, on joue à l'ostréiculteur, à la laveuse. Oui, mais d'abord, faut les détranquer. Et ensuite, il faut les calibré à la calibreuse. Et si on faisait un refrain avec ça? Nous sommes les ostréis, nous sommes les ostréiculteurs, et nous chantons en chœur pour soulager notre labeur. Ouais, super, en version techno, je suis sûre qu'on fait un tube. Nous sommes les ostréis, nous sommes les ostréiculteurs, et nous chantons en chœur pour soulager notre labeur. En espérant que ça vous a plu, à la prochaine rediffusion. Salut! Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à remercier toutes les personnes qui ont permis à cette classe de mer de voir le jour. Salut! 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 Je suis venu vous dire salut! Et puis, merci d'être venu, un clin d'œil entre vous et moi, bien sûr que l'on se reverra. Salut.